Moti bano, moti alive. Orimi kole abane. Aon bat bela moti sabake. Bude badu unde jalifuke. Ola tobi ya makbari woye. Owa tobi ya makbari woye. Mata tobi ya makbari woye. Bari woye, kisha makbari woye. Moti bano. Guys, welcome back to my channel. Moi c'est Raïssa Marcel. Si vous êtes nouveau ici, merci. Si vous êtes nouveau ici, merci. Si vous êtes ancien ici, merci. Merci de revenir sur ma chaîne. Posez la vidéo et allez vous abonner parce que il y a plein de beautiful things qui viennent toujours ici. Anyway, aujourd'hui comme tu as lu le titre, aujourd'hui c'est comment je style this avec mes petits cheveux, ok? Pretty easy and je pense que tu as juste besoin du crochet braid, de hair, de hair and du gel. So, and rubber band, yeah, l'élastique. That's it. Et puis la vie elle est good to go, good to go, bang 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 et la vie elle est belle. Donc comme je veux dire, c'est merci de revenir, n'oubliez pas de vous abonner et enjoy. Restez la vidéo. I love you so much. N'oubliez pas de revenir. I love you so much. Mouah! Bon, voilà. Là, je vais utiliser le paquet de Zurich Lock Braid Deep Curl. Deep Curl. Je l'ai eu au Beauty Supply à $7.99. Vous pouvez l'avoir sur eBay ou bien sur Amazon. Et puis, crochet braid. Là, j'ai fait des petits pompons. On appelle ça au Cameroun les macabos. J'espère que vous connaissez. Tous les enfants l'ont, hein, en fait. C'est très très simple. Là, je vais prendre du gel et je vais mettre au-dessus de mes cheveux et je vais twister juste pour que les cheveux désaspirent. Que les cheveux. Oh my god, je ne sais même plus comment dire ça en français. Pour que tu ne puisses pas voir les cheveux quand je fais le crochet. Là, je vais insérer le crochet en dessous de la fronde que tu attaches pour faire tes pompons, en dessous de ça, et je vais tout simplement passer la mèche. Et puis je vais juste faire le crochet ici. Je pense que ma main elle cache vraiment la technique, mais voilà, tu passes le nœud. Je fais le nœud avec le trou au dessus de la mèche. Voilà, là tu fais juste ton nœud, ça ne va pas quitter. Voilà, là le derrière je l'ai fait, j'ai pas voulu le montrer, mais c'est difficile de vous montrer la bonne technique au derrière. Là maintenant je vous montre correctement bien comment ça se passe. Voilà, je pars, je fais une partie, je prends une petite partie de mes cheveux. Oh, le gel était en train de me déranger ici, hein, franchement. Et je prends juste une petite partie et puis je vais prendre le rubber band. Ce qui est la fronde, je pense que c'est la fronde, c'est en français, n'est-ce pas? Franchement, si c'est pas en français, écrivez comment on appelle ça, l'élastique. Voilà, écrivez sur le commentaire comment on appelle ça. Allez, tout simplement, c'est pareil. Je vais sécurer l'autre côté pour que les cheveux ne se mélangent pas. Là, j'ai pris de la fronde et je vais faire mon pompon tout simplement. Ici, j'ai mis du gel sur pratiquement la partie des cheveux là déjà, comme ça pour que les cheveux se réunissent ensemble. Donc, je n'aurai pas à faire la technique de mettre le gel après. Là, je vais prendre le crochet, je vais insérer en bas, je vais prendre la mèche, je vais m'assurer que je fais un petit trou, le petit trou là, je vais accrocher la mèche, je vais passer la mèche. Et puis je vais faire le nœud. Voilà. Quand je fais le nœud, j'arrête les cheveux et la mèche ensemble. Je le passe tout simplement ensemble. Et puis je roule les cheveux dans le nœud. À l'intérieur du nœud. Pour que tu puisses avoir les cheveux, les petits cheveux après. Voilà. Tout simplement. Comme ça. Je recommence le procès encore ici. J'ai fait une partie. J'ai pris une partie,
Je vais prendre l'élastique. Je vais faire le petit pompon. Tout simplement. Tout simplement. Yeah. Je vais prendre le crochet. Je vais mettre en bas. Me rassure qu'il y a le trou. Je mets, j'accroche le crochet, j'accroche la main sur le crochet. Je fais retirer en dessous. Je mets, voilà, voilà. Je fais le nœud, tout simplement. Et puis là, parce que c'est, j'aimerais voir les curls. Je vais prendre cette mèche curly que j'ai. J'ai fait une vidéo où je l'ai utilisé. Je vais juste insérer ça dans certaines des mèches que j'ai, certaines des tresses que j'ai à faire. C'est très très simple. Tu peux mélanger, comme tu peux bloquer ta mèche et puis tu lui mets. C'est juste pour donner la technique boulimienne, comme on appelle ici. Un peu comme la coiffure de Rihanna en fait. Voilà, je vais le faire dans plusieurs parties de mes cheveux. Je ne suis pas obligée de le mettre sur le même côté dans chaque tresse, non. Je choisis juste quelques tresses ici et là-bas, pratiquement partout en fait. Elle est très simple, très très simple la technique. Tu accroches juste la mèche comme tu le faisais avec les braids. Je le mets partout, je ne veux même pas, je mets n'importe quel endroit. Je ne me rassure pas que c'est juste en un seul point. Non, je vais me rassurer que c'est partout sur ma tête. Mais parti. Ici, je vais faire mes baby hair. Vous savez que c'est très très essentiel pour la femme maintenant d'avoir ses baby hair. Ok? Never miss that. Maintenant, les baby hair, c'est chacun qui voit comment il veut faire ses baby hair. Moi, j'ai les cheveux jusqu'au front, donc du coup, je laisse juste un peu les cheveux qui vont être laissés. Et puis, c'est ça que je transforme en baby hair. Je sais pas comment vous aimez ça, mais mon front ne peut pas accepter certains genres de baby hair. So, I'm never gonna try it, ok? Donc, et voilà le reste. Body slick and fantastic. Badadum, badadum, badadum.